Allo tout le monde, voici Champion MCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu et une nouvelle série. Ouais, pas mal de nouvelles séries qui arrivent, autant en ce moment que cet été. Ouais, ça fait pas mal hein. Mais ceci, ça va être la seule vidéo, jusqu'à tout l'été aussi, mais jusqu'à temps que j'aille peut-être un ordinateur mieux. Désolé s'il y a beaucoup de que ça saccade beaucoup, je suis sincèrement désolé, je ne peux absolument pas faire mieux parce que c'est les performances de mon ordinateur qui ne me le permet pas. Je suis capable de rouler ça sans problème, faut juste que qu'il soit chargé en permanence pour jouer. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent hein. Sauf Steve, là comment ça va cette vidéo va fonctionner. Sachez que là je vais faire la sélection de mon personnage. Mais attention, via une autre vidéo que j'ai déjà tournée il y a de cela plusieurs mois. Voire depuis le fin du mois d'avril à peu près. Ouais, quelque chose de même. Ça se peut que j'utilise cette vidéo, l'autre vidéo précédente que j'ai faite d'une arme. Il sera pas d'une heure complètement, je vous le dis tout de suite, là, ça, je vais prendre une petite partie, tout ça. Puis, mais là, par contre, vous allez voir maintenant le résultat final. Du moins, je vais laisser passer, on va dire, l'introduction que vous allez voir à chaque fois. Après ça, vous allez voir. Je ne dis rien pour ceci. Comme que vous avez pu voir dans la vidéo, j'écris une histoire avec vous. Le titre, comme vous avez pu savoir, a changé. Bon, du moins, elle va changer, tout simplement. Qui est rendu la légende du Capitaine Fleur de Lys. Et pour cela, je veux faire de même mon nom de Capitaine et Capitaine Fleur de Lys. Aujourd'hui, ça me tentait vraiment de faire cette vidéo. De toute façon, c'est sûr que vous le voyez, puis je... De toute façon, je peux pas l'avoir refait parce que j'ai une seule chance de le faire et c'est tout. Je sais pas comment ça va se passer ou tout ça, l'enregistrement. J'enregistre actuellement avec OBS. En ce moment, j'ai calibré l'audio de mon bureau, de l'ordinateur, par rapport au micro. J'espère que ça va bien fonctionner puis ça cadre pas trop. Quand je dis saccadé, c'est lagué. Bon, je vais pas vous dire, mais saccadé, c'est le vrai terme en français. Je viens juste de l'ouvrir, le jeu. Juste.
Maintenant, sélectionnez un personnage pour vos aventures. Ça serait bien quand on ait la possibilité de changer notre personnage à un moment donné. Alors que vous forgerez votre légende, vous pourrez personnaliser le personnage choisi. Vêtements, coiffure, barbe, moustache, cache-œil, crochet, jambes de bois, équipement et armes. Voyons voir ce qui nous offre. Ok. Sélectionner, créer de nouveaux pirates, présélectionner. Ok, attends. Je vais fermer mon. Ah, ok, c'est les flèches pour. On dirait que les personnages sont uniques. Je fais une petite coupure et on revient. Plutôt, je reviens pour montrer le personnage que j'ai choisi. C'est dommage qu'il n'y a pas de. Que ça se génère aléatoirement, puis qu'on peut pas prédéfinir comme certains jeux quand on prend un modèle puis on le personnalise par nous-mêmes. C'est dommage. Bon, ça fait un petit bout que je suis. J'ai choisi mon personnage. C'est long. Là, à date, j'ai pogné un peut-être potable. Honnêtement, ils sont tous deux, il n'y a aucun qui m'intéresse vraiment. Mais je finis par prendre celui-là. Une carte, je sais pas que ça. Je sais pas vraiment si c'est une vraiment particularité supplémentaire, mais je vais prendre celui-là. Voulez-vous vraiment choisir ce pirate? Ouais, je sais même si il fait ça, là, mais je commence à t'aller le chercher aussi. Bon, nous sommes de retour avec le Valkyrie. Ok, ça me tente. Avec votre Capitaine Fleur de Lys. Ouais. Le Capitaine Fleur de Lys. Nous allons partir à l'aventure. Seul. Sachez qu'on peut même faire un galion seul. Ouais. Nous pouvons, mais c'est quand même assez compliqué. Bah, c'est non pas que c'est compliqué, c'est juste. On bouge pas mal. Et voilà que nous partons à l'aventure. Allez, Moussoya, on y va! Sachez que Steve arrive dans la prochaine. Ouh! Probablement, c'est vrai, il y a sûrement eu des nouvelles mises à jour parce que ça, ces images, cette image-là, je ne l'ai pas vue la dernière fois. C'est une autre image qui annonçait une nouvelle mise à jour quand même assez intéressante. Sur la dernière mise à jour, sachez qu'il y a eu une mise à jour qui est quand même assez intéressante avant. C'était les sorcières pour des voyages et. Opportunité. Mais ça, on va déjà voir ça change. Il y a eu une nouvelle mise à jour avec les requins. Ouais. Puis nous avons une quête secondaire. Bon. Non, c'est pas une quête secondaire, c'est une quête. Peu importe. On choisit nos quêtes de toute quête que vous avez pu voir. Ben là, il y a eu l'ajout de requins. Cette fois-ci, quel est l'ajout? On le voit partout, c'est une chaise là. Je sais pas c'est quoi, mais. Un petit coupure, on revient quand on va être sur la partie que ça prend un certain temps. Comme ça va aller plus vite. On est de retour! Oh, ça a pas été si long finalement. Oh! C'était-tu un event? Mon dieu. Il y avait ici une personne pour les requins. Parce que. J'ai pas eu ceci pour rien. Ce que ici, ben c'est N, B. Non, B, c'est pour pas tout ça. Hey, je me suis plus de contrôle. Oh, c'est V. Ouais, c'est V. Ça, c'est pratique. Je vous dis tout de suite, c'est pratique. Ça va être pratique. On va aller parler à lui. Tronquons à l'appel du large. Parez à vous creuser les méninges pour les fonds de cale. Ok. Voir ce que. Vendic. Ça, c'est fait de cas. Oh, il vend des habits.
On s'entend que ça c'est une robe. Puis notre personnage n'est pas une fille. C'est quoi ça? Ils ont-tu changé la monnaie par hasard? Oh non, ils ont ajouté une monnaie! Oh ouais! Lettre de commandation. Recommandation formelle. Ok, votre insolence, excellente réussite va vous permettre d'améliorer votre réputation auprès de l'Alliance des marchands. Ok, c'est comme l'argent plus rare, faut pas acheter ça. De la vraie monnaie. On va prendre des planches, des bananes. Bien sûr, ça saccade aussi de mon bord. Les boulets, je suis pas plein, je peux en avoir jusqu'à 10. Vous connaissez les sorciers, les sociétés comme c'est ampoulé de l'Alliance des marchands, par exemple. Moi, je dis la peste soit de toutes les de sociétés. Je me trompe, sorcière à cause de. C'est ce qu'on a vu. Je ne vous empêcherai pas de courir après ces vaines promotions et les titres fouilles. Mais nous autres, l'aventure, l'exploration, le large, c'est ça qui nous anime. Prenez des risques, écoutez votre instinct, engagez les dialogues ou le combat. Que vous nouez des amitiés prennent ou fugaces ou récoltiez des cicatrices, vous pourrez dire j'étais là. Ok, on va y aller là. Avant qu'il y ait un ennemi qui vient. Ok, alors nous sommes à. Ok, nous sommes là. Je sais où qu'on est. Ancien Spear. Si vous ne croyez pas, par contre. C'est pas grave. Je ne vous. Ça me dérange pas. Je vais juste vous montrer la preuve. C'est là. C'est ça OBS. Malheureusement, c'est ça OBS. C'est le défaut d'OBS. Regardez. Hey. Avant pas s'ancien Spear. J'aimerais ça aller ici à Sharkbekov. Pourquoi donc? Tout simplement parce que. J'espère que la personne est encore là. Ce serait agréable. J'espère que c'est pas un event, mais bien. Je me mélange tout le temps. Une mise à jour permanente. Avec. On va aller chercher de l'or. Si c'est bon, il y a assez. Mais ça, c'est bon. Deux quêtes. On va l'annuler, on va aller juste attendre qu'on ait un bon. Ouais, maintenant je suis sélectif. Juste pour vous savoir si ça s'inquiète de votre bord, ça s'inquiète de mon bord. On va dire ça ainsi. En plus, c'est un énigme, les énigmes, ça me dérange pas d'en faire, mais. D'accord, pire! Bravo, on va être trois, trésor! Deux énigmes, j'ai déjà pogné des cartes avec bien plus de choses quand même. Peux-tu me donner quelque chose d'intéressant s'il te plaît? C'est à cause que je suis pas venu d'un méchant bot, hein? C'est ça. En pendant ça, moi je suis convoyeur de niveau. Oh, les fonds de 4. Oh! Oh, les fonds de... Faut trouver ça. Mettez le cap. Je sais pas qu'il faut trouver ça. Convoyeur d'or, acolyte mystique. Et quartier. Ça c'est marchand, c'est juste que je me dépasse de ça. Oh, on peut tout savoir les grades. Oh, je sais pas. Je ne sais pas comment me procurer ça par contre. C'est une place que je ne sais pas comme ici. Non. Faut que j'aille où? Je vais avoir vraiment 20, je sais pas trop quoi. Bien sûr, je vais peut-être m'acheter. Je vais m'acheter l'épée en or. J'ai acheté. Ceci en or. C'est le fun. C'est normal qu'il soit brisé la lentille. Oh, en plus. Oh.
Levez les hisses et les voiles immédiatement. On va laisser voir pour l'instant les kites, parce que ça c'est intéressant. Ça va bien. On commence dès le début cette nouvelle aventure avec une épave. Ah, c'est bien ça. Ça c'est le fun d'avoir une épave par contre. Des fois il y a absolument rien, mais des fois il peut y avoir des choses intéressantes. Des coffres, puis des affaires même. Voyons si la nouvelle mise à jour est rentable ou non. Je sais pas si les choses de collision en a, parce que même si on fonce dessus, je vais vous montrer. Ça dérange pas en tête. De toute façon, je m'en fous, il y a des planches. Non, ça n'a pas changé. Le vu que je suis là, ou souvent en profiter. Oh, c'est quoi ça? Ah, ok, une planche. Bien sûr, je me pose des questions pour rien. Il y a de l'eau ici, c'est bien ça. Faut rester dans le navire, dans ce galion qui est sombré. Bon, qui est en train de sombrer du moins. Bon, elle n'est pas. Il y a de l'air d'avoir rien. Mais ça veut rien dire par contre. Il peut paraître en avoir rien, mais dans le fond, il y a peut-être des... Ok, oui! Une bouteille à la mer. Oh que oui. Ah, il... C'est bien la seule chose qui avait d'intéressant par contre. Sauf qu'il a déjà été plié. Non, je pense pas. Mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Mais pas la moindre chose. C'est vide. Tu mets l'encre pis ça, ça. Pas grand chose. L'encre est mis, hein? C'est tout l'encre est mis, hein? Absolument, on fait ça. Ça tourne quand que l'encre n'est pas mise. Mais là, l'encre est complètement mise. Trouver l'erreur. C'est un bug ou c'est à cause qu'on était sous l'effet de collision, parce que oui, l'effet de collision peut affecter la trajectoire. Bon, regardons ceci. Sur de vis rage, désolé pour mon anglais. Voyageur, soyez prudent, un trésor votre arrivée attend. Sur Devil Tree Rage, bien, c'est où cette île? En plus, une kite. Davis Ridge. Ça peut être n'importe où. Ouh, comme ça peut. Ah, oh, c'est pas loin. Oh! C'est à côté. Oh! C'est juste. Fais-tu bien savoir ça? En plus, deux autres. Oh, en plus, ça. Oh, bah oui. Bon, oh, c'est du coup formidable. Puis lui. J'en ai trois. J'accepte sans renoncer. Lui c'est où déjà? C'est ici. À Croco Holler. Bien. Ici les voiles. Capto sur Devil Rage. Capto sud. Oui capitaine. J'irai à Tribeur. En passant, bâbord, tribord, gauche, droite, rouge et vert. Au cas qu'il y en a qui se le demandent. Tribord, c'est un terme maritime qui veut dire droite, puis c'est un terme maritime qui existe depuis très longtemps. Plus longtemps que vous y pensez. Ça a peut-être toujours existé plus. En tout cas, je sais pas. Mais ça a peut-être toujours existé. Devil's Rage. C'est pour ça que je dis ça. Là, j'ai deux trésors à aller chercher. Un trésor que je vais aller chercher tout de suite, qui est facile. Puis le deuxième trésor qu'il faudra se y réfléchir. Si vous voulez, vous pouvez y penser. Ok, c'est juste. Ok. C'est un simple. Il sera pas compliqué. Je ne sais pas c'est quoi l'énigme.
qu'il faut se rendre directement sur l'île, absolument. Je ne sais pas c'est quoi l'énigme, mais je vous dis tout de suite, ça va être quand même impossible. Parce que j'ai déjà pogné l'énigme, j'ai jamais réussi parce qu'on m'a éjecté du serveur. On est sûrement à cause de ma connexion internet, probablement. On m'a complètement éjecté du serveur. Ça c'est ce qui m'arrive. Puis j'ai pas eu le temps de... J'ai cherché. J'ai pas trouvé. J'essaie de suivre l'énigme, j'ai relis. Et j'ai pas trouvé. Ça c'est sur ce... Puis je sais exactement c'est quoi l'île, c'est refuge. On va affaler les voiles. Et pour ceux qui se le demandent, affaler veut dire ceci, fermer les voiles. Ouvrir les voiles, c'est ici. Affaler, c'est... Ok? Je l'explique aussi dans l'histoire du Captain Flair d'Hélice, car ça c'est moi, le Captain Flair d'Hélice. Bien sûr, c'est pour moi, hein. C'est un capitaine pirate. Je suis en train de travailler encore, j'ai pas totalement fini l'histoire. Le chapitre, du moins. Au pire, je couperai, puis ça serait pour le chapitre 3. Parce que oui, faute de suggestion ou quoi que ce soit, à part que j'ai une bonne, très bonne suggestion. C'est là... J'ai eu une très bonne suggestion. Je n'en dis pas plus. Oui, ça se calme. Désolé, je ne peux pas faire mieux. Parce que moi-même, ça se calme. Voilà. Jetez l'encre! J'essaie de parler plus plus terme maritime que d'autres choses. Mais pourquoi? Je me suis fait mal. Voilà. La musique que vous avez entendue, c'est ceci. Cherchez la mystérieuse cascade de la grotte, là où il fait sombre et à 6 pas au nord-ouest, creusé à tout rompre. Je l'avais dit que c'était facile. Est-ce que c'est bien celle-là? Si c'est un autre, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a-t-il un coffre? Des fois, dans là-dedans, il peut y avoir des coffres. Oui, j'en ai déjà pogné un. Ça peut être bon, comme ça peut ne pas être bon. C'est complètement aléatoire. Avec cascade mystérieuse. C'est bien beau. J'ai tendance à dire que c'était pas là. Puis je sens que je vais le chercher un petit peu. Mais pendant ce temps-là, je vais aller complètement revisionner ceci. Ah, ok, je suis un tout petit peu trop. Lol. Dans ce coin-là. En théorie. Ah. En moins. Des fois, c'est confondant. Je pense que c'est une place, mais c'est, finalement, c'est pas là. Ok, je vais aller selon l'eau. Ça pointe de l'eau. Il y a un rocher, un amas de roche, dans ce cas-ci, qui veut dire que ça serait ici. Pile! En plus, c'est un coffre du capitaine. Ou du maraudeur. Hey! Ah! Voilà, c'est un bon coffre. Vous voyez, faut juste bien analyser les affaires et tout va aller bien. Ça, c'est du capitaine. Un dernier spell. Et oui, du capitaine. Oh ouais, capitaine, la nuit va tomber. On peut voir qui est vide. Ça devrait peut-être rapporter un bon 1000$. Bingo. Si cette vidéo dure 1 heure et plus, c'est pas grave.
Parce que ça me dérange pas. Parce que c'est quand même assez long, honnêtement. Faire une quête, là, c'est quand même assez long, des fois. Je vais aller déposer les coffres après. Ou... Comme ça, au moins, je vais être sûr d'avoir sauvé ces deux coffres, au moins. Puis j'irai chercher les trois autres coffres après. Comme ça, si on se fait bombarder, elle sera pas évidente. Ça, j'avoue. Finalement. Pourquoi je dis ça qu'elle sera pas évidente? Parce que la rivière mystérieuse. On va relire pour être sûr. Cherchez la mystérieuse cascade de la grotte. Là où il fait sombre. Creuser à tout rompre. Ça parle de grotte. Finalement, c'est pas évident. Facile parce que on n'est qu'un seul. Mais pas évident parce que c'est au cherche. Faut chercher comme on dit dans une aiguille dans une botte des fois. Voilà. C'est la seule casquette que je connais moi. Ou que ce soit les grottes en haut. Ou que la cascade. Ça se peut ça aussi. Je sais qu'il y a une grotte ici. Dans le coin, je sais qu'il y en a une. La position, il y en a quelques-unes. Mais c'est vrai que faut pas oublier, il parle dans l'énigme, il parle d'une cascade mystérieuse. Faut pas l'oublier ça. Jusqu'à date, la seule cascade que j'ai vue là, c'est la chute d'eau. Jusqu'à date. Ouais, jusqu'à date là, c'est la seule cascade que j'ai vue, c'est la chute d'eau. Il y a des dessins, c'est rush, hein. C'était un dessin d'une cascade. C'était ça, mystérieuse. Peut-être. Oh! Une autre bouteille! Quelle est-ce? Ah, c'est une. Ah, c'est une bouteille pour la quête squelette. Ok, d'accord. Ou sinon c'est la seule chose, c'est ça, cascade mystérieuse. Une crotte en haut, quoi. C'est une grotte en haut, je vais aller voir. D'une façon ou d'une autre. Sachez pourquoi que la. Si vous vous demandez pourquoi il a assez brisé, c'est bien normal. C'est ça qui avait parlé aussi. Hein? À cause de ça. Ça, il est pas brisé, mais l'autre, oui. Tout simplement. Ouais, ça j'avais pas remarqué qu'il y avait peut-être. C'était ça qui veulent parler aussi. Cascade mystérieuse. Tout entrée mystérieuse. Maintenant, c'est. Où est l'entrée de cette grotte-là maintenant? Hein? Cochon. Vas-y, ici il y a des cochons, t'es sûr, certain. Ici, il y a des cochons et des serpents. Il n'y a pas de poule. On verra jamais de poule, ici. Il y a des îles qui ont juste des poules. Il y a des îles juste des cochons. Généralement, il y a souvent des serpents aussi. Il y a des îles qui ont juste des serpents. Il y en a, c'est 1, 2 sur 3. Il y en a, c'est les 3. Refuge, ça c'est les trois. Par contre. Ah. Ah. Trouvé.
Ils veulent peut-être parler de cette grotte-là, par contre. Ah. Je ne connaissais pas cette grotte. Cascade mystérieuse, voilà. Grotte, ben oui. C'est ici. Au nord-ouest. Trouver la cascade mystérieuse. Alors, nord-ouest, ça c'est pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une chose qui est sûre, il est dans le coin. Ben oui, pourquoi pas avoir pensé ça? Vite. Pas penser parce que je savais pas. Je viens de découvrir cette grotte en même temps que vous. Je savais qu'il y avait un piège mystérieux. Je savais que le mystérieux n'était pas là pour rien. Mais là, il faut juste trouver le coffre. Voilà! Je suis un du maraudeur, je pense. Ah! Ah, ça n'a pas été évident quand même! Parce que je ne connaissais pas ceci. Là, j'avoue, là. Je ne connaissais pas cette grotte. Je savais même pas qu'il y avait une grotte ici, comme ça, ici. Ben, on est sorti, on a trouvé le coffre qui était dans la grotte. Ah, cascade, ben oui, c'est une cascade. Là, c'est une chute d'eau, c'est une cascade. On a fait une découverte ensemble. Il faut que je m'en aille au sud, par contre. C'est ça, je suis dans la bonne direction. Je suis content de l'avoir trouvé. Et ça n'a pas été évident quand même. Là, nous allons aller à l'avant-poste. Et ça fait quand même presque une heure que je tourne. Je suis sûr que vous ne verrez pas ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper de mon côté de la vidéo. Et on va se rendre directement sur l'autre île. Comme tout, on va être au moins pénible et tout. C'est sûr que probablement que les safeties. Je sais pas combien de temps ils vont durer. Mais par contre c'est où ce Thief Haven, c'est juste ici. Voilà. Ah oui, ici ça c'est. C'est fait. On va aller à l'avant-poste. Puis après ça, on va quitter pour l'autre île. On va fermer ceci. Question de se faire moins repérer. Ah, j'ai oublié de mettre ma voile. Ma voile de baron. Que ça là c'est baron, mais vous allez voir c'est une fleur de... c'est ce qui ça ressemble à une fleur d'hélice, ça j'ai pris. Voilà, qu'est-ce que j'ai percuté le fond, que faire quand nous percutons le fond. Premièrement on est dans une direction sécuritaire, pogner ceci. Et faire cela. Tout simplement. Oh non. Je pense qu'ils sont... C'est des vrais snipers, eux autres. C'est des vrais snipers. Faut que j'aille à tribord en plus. Avant de... Oh, je vais pas prendre les spéciales. Par contre, juste avant, je...
Bon, je vais virer tribord. Avant dans le vélo. Non, on est né au vent. D'accord. On va aller plus loin. Juste pour vous dire, ceux qui pensent que tôt au vent c'est l'allure la plus rapide, je vous dis que non. L'allure la plus rapide, c'est le largue. Sans conteste. Bien. La cale est propre. Mais je me demande c'est quoi, faudrait que je fasse des recherches pour savoir c'est quoi. Ou c'est comment faire pour avoir la cale. L'émission de cale. J'en ai vraiment aucune idée comment ça fonctionne. Sachez que on est toujours dévié, c'est incroyable. Toujours un navire, c'est vrai. Ça me surprendrait qu'il y ait un navire, mais on sait jamais. Avant de baisser, d'affaler les voiles, je vais tout simplement me maintenir loin de l'île. Parce qu'on sait jamais que je me suis déjà fait pogner pour ça. J'étais en train d'affaler mes voiles. Puis là, un navire en plus d'un galion. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de navire. Je me suis complètement pogné. Vu que c'est un gain. Après ça, j'ai fait du tour tout ça. Puis c'est ça. Je me suis fait complètement envoyer. Puis le monde n'a pas de pitié dans ce jeu-là. Ah, il y en a que oui, mais pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de pitié. La voie est libre. Disons, je m'en vais pour. J'ai pas vu le navire du tout. Je m'en vais un avant-poste complètement au nord-est. Complètement. Parce que je le vois pas. Puis j'ai affalé mes voiles. Puis là, j'ai hissé mes voiles, tout ça. J'ai réussi de. Allez, j'ai une quête marchande en plus. J'ai réussi à faire de quoi? Au moins à aller porter deux choses. Je me fais tuer. Puis on me tue mes poules. Rien à faire, le monde, des fois. Au moins la voie est libre. En tout là, moi, qu'est-ce que je fais? J'affale les voiles un peu. À peu près chaud. Faut pas foncer quand même. Mais comme que je vous dis, ce n'est pas fini. Car ce n'est pas fini. C'est rien qu'un début. Ça c'est complet. Ça c'est à peine. Après ça, je vais mettre ma voile. Après, je l'ai complètement oublié. Voilà. Je prends le coffre du capitaine en premier. C'est celui qui vaut le plus cher. Bien sûr, c'est un peu loin. Combien? Oh, presque 1000. De 5 $. Donc je monte à 10 000. Moi, les quêtes marchandes, là. Y en a une que j'aime pas. Pogner. C'est avec les cochons. Est-ce qu'il faut tout vous ignorer? Puis si on. Si vous voulez pogner des cochons, puis l'an dernier. Va être mieux. J'ai déjà joué avec un galion d'autres personnes, là, je me suis infiltré. La personne était légendaire. Ouais, il y a le grade légendaire. C'était le fun. Mais c'était pas facile non plus. Ça, je peux vous le dire. Juste avant de quitter le port. On va aller ici parce que ici. Surtout votre inventaire, ici c'est vous pouvez acheter des voiles. Voiles de baron. Ça fait partie de la dernière mise à jour avec les requins. Pour ceux qui se plaignaient pour Safety, donc vous plaignez qu'il y avait juste 3 quêtes. Maintenant il y en a 4 quêtes. Hein, vous voyez ça? Il y en a 4. Et 2 titres. Promotion 10. Il y a moins d'affaires par contre. Comment trouver ça? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas comment pogner ça. On sait qu'il va peut-être avoir d'autres sortes de missions. Ça aurait été bien qu'il y aurait la mission. Et comme ça, des requins.
Là, nous allons s'en aller à l'autre île, mais là, je vais arrêter la vidéo temporairement. Pour moi, du moins. Ça aurait pas été drôle, hein. Que je fonce encore là, hein. Comme la première fois. Comme un professionnel. Bon, je vous laisse. Ça là. Bon, nous sommes de retour arrivés sur l'île avec. Attendez un peu. Que ça charge. Avec là-bas la tour Eiffel. C'est un rocher qui ressemble à la tour Eiffel, tout simplement. Nous sommes arrivés sur l'île. Ok, je suis. Ah, je suis complètement de l'autre côté, me semble aussi. Qu'il y avait un pont. Un quai ou quelque chose de même. De toute façon, au bout de ça, il y en a un. Oh, mais merde, je disais. Ah, fuck. On snipe. Nous autres, c'est des snipers. Donc, c'est un bug. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est un bug dont je ne sais pas pourquoi. Quand le coffre est ici. Hein? Pas pire, hein? Pourquoi j'allais à l'autre bout là-bas? Quand le coffre est ici. Premier coup, je l'ai bien dit. Ok. Oui, je sais que j'étais là, mais une fois que. Bien analysé, j'ai eu du premier coup. Un bon coffre du capitaine. Oh, ça commence bien ça. Ça commence très bien. À un moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout noter où sont les serpents. Et toutes les animaux qui sont dans chaque île. Ça, c'est de 1. La deuxième. Il est de l'autre côté complètement de l'île. Je pense que je vais déplacer le navire tout court. Tant pas de faire le grand chemin. On monte, on a fait la voile. Oh. T'es pas sérieux. En plus, mon clavier qui est bloqué. Ah, il faut couler mon navire. Qui m'énerve. Ok, je suis dans son angle mort. Mais n'empêche que l'eau rentre. Ça, c'est pas évident des fois, pour vous le dire. Ah, j'ai le temps. Yes. Ah. Vous voulez savoir quoi? De toute façon, on va rester. Je vais rester de ce côté-là. On va quand même le réparer comme ça. On ne coulerait pas. À un moment donné, il y avait sûrement un truc, quelque chose avant, puis je reviens. Mon navire est coulé. Ouais, hein. Le navire avait coulé. Pas si loin que ça. Là, cette fois-ci, je vais l'avoir du premier coup. En fait, on fait les paris. Prendre le temps d'analyser. Ok, bord de l'eau. Bon, là je sais que je suis. Parfait. Là je suis là. Ok, il faut que j'aille complètement là. Ok. On va essayer de le faire du premier coup par contre. Ok. Si. Est-ce que je l'ai du premier coup?
Ah, pas pire, hein. C'est moi qui viens de l'analyser, la carte. Absolument, c'est 3. On dirait plus qu'on monte de niveau, plus que ça l'escalade. Gendarme, il y en avait 6 qui sont plus en trop coup. Pas grave. Il veut s'enfuir. Ça me dérange pas qu'il s'enfuit. C'est un sniper. Dans le jeu. Qu'est-ce que vous avez vu? Ok, ça c'est un petit coffre pourri, un coffre d'une... c'est pas du naufragé, l'autre. Du voyageur. Coffre du voyageur. Naufragé, la couleur d'aventurier, comme je l'ai dit. D'aventurier, c'est pas du voyageur, c'est d'aventurier. L'autre, il est plus... il est pas de la même couleur, l'autre. Il est plus sombre. Bah, ça est plus sombre, l'autre est plus clair. C'est la différence. Il y a différents types de coffres. Il y a le plus beau, c'est le coffre du naufragé. T'as ce coffre-là, le coffre de l'aventurier. T'as le coffre du maraudeur. Le coffre du capitaine. Le coffre pleureur. T'as le coffre. J'en ai déjà vu un. Coffre pleureur. Qui peut faire couler un navire. Le coffre pleureur a une légende. La légende du coffre pleureur dit qu'il faut jouer une musique triste pour qu'il arrête de pleurer. Je m'en jure que tu suis. D'accord, j'ai pas. Je suis à la bonne place, mais pas assez loin. Oh, je s'attends. Hey, je suis déjà à bonne place finalement. Ça peut être en haut aussi, hein. Mais je pense pas. Donc, je vais l'analyser. Merci de m'avoir manqué. Ah, t'es en haut. Je me suis trompé. Il est sur le bord. Il est en haut. Ici, c'est pas le serpent. Je comprends pas que. On comprenait pas pourquoi que ça fonctionnait pas, mais ça me fait la bonne place. Ben ouais. Ouais, ouais, je suis à la bonne place, mais. Mais pas dans bonne hauteur. Un coffre. Du capitaine, je pense. Je pense qu'il y en a un autre type de coffre aussi, c'est pour ça. Qui pose du maraudeur, qui pose du capitaine. Bon, ça, j'en avais juste. Hey, hey, toi, là. Ça, il y en avait juste quelques-uns au début. Pfff, il y en a une tonne. Parfait. Ça, c'est une maraudeur. Non, c'est ça. Ah, mais. J'ai fini la quête? Je pense que oui. Il m'avait. Moi, ça me disait exposer que la quête est finie. J'ai fini la quête, mais. Je n'ai toujours pas fini la vidéo. Ouais, on va se revenir encore. Encore une fois. Cette fois-ci. On va se retrouver sur l'avant-poste. Un avant-poste. Je sais où. Puis on va se retrouver à une autre place. Pour une autre mission. Jusque là, je m'en fous de eux. Je m'en fous complètement de eux. Je m'en vais. Au plus vite. Il y a toujours un stress. Quand la safety, là, il va avoir un stress si tu veux pas te faire. Te faire attaquer par les. Par d'autres personnes, là. Toujours un stress. Et ça, c'est fait. Maintenant, faut s'en aller là-bas. Je vais aller à l'avant-poste Plunder. Alors, à tout à l'heure. Nous sommes arrivés à l'avant-poste. On va pas là par contre cette fois-ci. Je vais comprendre le pourquoi. On enlève ceci. On ferme ceci plutôt. La fête au complet. Ça fait juste frotter. Non, il y a rien brisé. Ça fait juste frotter. Au moins.
Vous voyez? Ça fait juste fretter quand il est quitte à neutre. Ça, c'est normal que ça fasse ça par contre. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est bien normal. On va se tourner. Que ça, s'il n'y a pas langue, c'est normal que ça fasse ça. Mais pourquoi je m'en vais là? Parce que la personne qu'il faut aller voir, il est juste là. On va aller porter nos coffres. Coffre du merdeur et 403$. Nous avons un autre coffre du merdeur puis un coffre du capitaine. Combien il va nous rapporter? Okay. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un coffre du merdeur, c'est un coffre d'aventurier. Lui, pas plus que 100. Pas plus que 200. C'est sûr, pas plus de 200. J'aurais entre 100 et 200$. 149, oh, je peux pas payer. Entre 100 et 200. C'est ce que j'ai dit. Je peux pas dire le montant exact, mais c'est ce que je pense à peu près. J'aime bien faire celui-là. Le coffre, là, c'est ce que j'aime le mieux. La cage, je sais pas encore, c'est cool. Mais le coffre, c'est ce que j'aime le mieux. C'est tranquille, c'est travailler le cerveau. C'est bien. Des énigmes et tout, c'est le fun, ça. Et un beau 1000. Un pour 900. J'ai pas eu de la chance aujourd'hui par contre. Pour les coffres du capitaine. Des fois il vous vaut plus que ça. Aujourd'hui c'est vrai qu'il veut. Ils valent pas plus que ça pour moi aujourd'hui. Bon. Ils sont les voiles. Pour quitter. As-tu de l'air? Ah, t'as pas su. Je m'en vais pas tout de suite là où qu'il faut s'en aller parce que là il y a une tempête ici, j'ai prévu de prendre la tempête. Je m'en vais au sud-ouest. On se retrouve. Nous arrivons à destination. Si je me trompe pas. Eh ouais, celui-là. Vous voyez, on est arrivé. Pour essayer d'arrêter tout seul. Là, ici, nous sommes pourquoi déjà. Je vais monter par ici, c'est plus rapide. Nous sommes là pour des squelettes. Oh, tu vas apparaître de même. Oh, je suis dans la bonne direction en plus. Parce que la musique qu'on entend, c'est ce que ça fait. Et je risque de mourir quelques fois. Ça, j'en conviens. C'est pas là. Peut-être une tortue. Je sais que nous sommes à la bonne place. Du moins dans le coin. Faut juste qu'il se déclenche. Je suis en haut par contre. Ah! Oui! Du nocturne en plus. Yes! C'est le fun quand nous sommes le jour. Oh! Et l'autre qui veut me pogner par surprise, hein? L'autre qui veut me pogner par surprise. Et ça commence! Oh non! Oui, les squelettes ça mange les bananes. Trouvez pas essayez pas de comprendre la logique. Des shows. C'est fun qu'il fasse ce soleil. Ah, ça c'est parce qu'il y a. Je vous le dis, je vais mourir quelques fois. C'est garanti. Au moins je sais que c'est où.
Il en reste plus beaucoup. Même mieux que ça. Il reste tellement plus beaucoup, je suis déjà rendu au capitaine. Et que je meure, bien évidemment. Si c'était prévisible. Je savais que je serais peut-être mort au moins une fois. Au moins, ça c'est pas trop long. Voici le vaisseau des damnés. Qui est quand même beau. Le vaisseau des damnés. Avec lui qui est maudit à conduire le vaisseau des damnés pour l'éternité. Ouais. Nous on revient comme ça. Lui, il ne reviendra. Point. Bon, au moins les capitaines sont sortis. J'aurais besoin par contre de bananes. Je n'ai plus de bananes. Il y a tous les barils. Pas loin. Oh, tant pis, au pire, je mourrai encore une autre fois, là, pas plus grave que ça. J'ai besoin de mourir, surtout dans mon niveau, quand je fais ça à mourir. Ah, oh, c'est capitaine en plus que je l'attrape. Qu'est-ce qu'il va, c'est que. Et voilà. Oh, un coffre. Un crâne en or. Oh oui, ça c'est formidable, un crâne en or. Je vais me dépêcher. C'est le fun ça. Vu qu'il brille. Pour ça, mon œil est ici ça. Je ne le mettrai pas là, je vais le mettre ici. Les bananes, on va s'en prendre. Et voilà. Nous allons quitter. Juste avant de quitter. C'est bon, t'aurais pu te retenir là quand même. Nous allons aller à l'avant-poste Plunder. Alors, encore une fois, on se retrouve. Ça n'a pas été trop long, moi. Bon, nous sommes arrivés. Sachez que j'ai coupé pas longtemps. Parce que. On arrive plus vite que prévu. Ha ha! Fermez les voiles juste avant l'impact! Ça va être parfait. Pourquoi je m'en vais pas directement là? Il y a une raison à cela. Après que j'aille mis mon affaire de ce côté-là. Maintenant, t'es sûr qu'il bougera pas. On peut penser que c'est qu'on entend un dauphin, mais dans le fond, c'est le gouvernail qui fait ça. C'est un bon crâne, ça c'est sûr. C'est un bon crâne. Ah oui, tout est là, si je me trompe pas. Exactement. Crâne recherché, solide vendu pour 1376 $. Bon, au moins, on a fini avec du 1000. À moins que ça soit une nouvelle musique que nous avons acquis. Peut-être. Ça se peut très bien que dans cette mise à jour là ils ont juste inclus une nouvelle musique vu qu'on a été le voir. C'est ça, c'est pas formidable. Je me demande quand même comment monter vers là. Tout là. Nous allons aller à une nouvelle île. J'aime bien cette musique. Il
Nous allons aller exactement. C'est fini. Ici, à Shake Pickle. Et on revient. Bon, nous sommes de retour pour une dernière fois. J'ai pogné la plage. Aucun dégât. Malheureusement, il n'est plus là. Les mises à jour ont fait en sorte qu'il n'est plus là. Il va peut-être revenir, je sais pas. Cette musique, c'est ici qu'il y avait une personne, un pirate. Ce pirate donnait l'histoire que comment qu'il a perdu certains membres et tout. Hey, t'es rendu à l'œil. Puis c'est avec lui que j'ai eu ceci. Je pense que c'est le porte-voix. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est le porte-voix. C'est avec lui que j'ai eu le porte-voix. Je sais pas si c'était juste un event ou quoi que ce soit. Ça, je sais pas. Mais j'ai eu le porte-voix quand même. Si vous vous rendez au centre de l'île. Voilà. Au plus vite. Ouais, c'était probablement un event. Ah, c'est dommage. Puis il y avait un livre ici qui disait comment que c'est un journal. C'est dommage. Il n'est plus là. Mais je vous assure que j'ai fait tout ça. Qui est ici, puis maintenant il y a la musique, sa musique qui est disponible. Parce que ça va être tout pour aujourd'hui, cette première vidéo de Sea of Thieves avec des heures de plaisir à faire ce montage. Bien sûr, à l'heure que vous parle, c'est pas fait. Mais à l'heure que vous regardez ça, c'était des heures de montage. Haha. De couper plutôt, mais c'est dommage. Mais rien qui dit que nous allons pas se quitter avec cette musique parce que j'aime bien. Alors, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Pis si, admettons, vous voulez jouer avec moi sur Sea of Thieves, ça, il sera possible de le faire. Je savais que j'avais entendu un squelette. Pour finir la musique tranquille. Puis vous voyez, ça embarque tout le temps que je suis à la place. Tout de suite, presque pas. Mais si vous voulez, j'aimerais ça. Ça serait bien être accompagné de deux personnes qui ont Sea of Thieves avec eux. Si vous vous demandez combien ça coûte 92$ avec les taxes. Mais, si vous. Exemple, si vous avez jamais pris, que ce soit en passant un compte Xbox, si vous n'avez jamais. Prix de Game Pass, vous avez un essai gratuit de 2 semaines, vous prenez, puis après ça, vous annulez ça, après ça, juste avant que ça embarque, hein. Et moi j'ai fait ça, puis j'ai payé que 92$, un rabais de 10%, dont 10$ de moins. C'est fort, ça c'est fun. Ou si vous prenez des Game Pass tout le temps, c'est correct aussi. Sur ça, nous allons se quitter avec cette musique. Ah, pour ça. Vous y. Merci à tous. Bon séance. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves.
Merci à tous.